Salut à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce quatrième épisode de Dungeon of the Endless. Donc un épisode où nous recommençons depuis le début. Alors, nouvelle partie. Donc les cinématiques, je les passe. Nous sommes toujours avec une capsule de sauvetage en difficulté facile. Avec deux héros aléatoires. Voilà. On va laisser la chance. Très bien. Alors, nous avons un distance et un corps à corps. Ok, c'est très bien. Déjà, on part pas trop mal. Alors, première salle. On ne perd pas les bonnes habitudes et on met un générateur d'industrie. Alors, voilà. Parfait. Alors, je ne peux pas mettre de générateur d'industrie dans la deuxième salle, donc on va à la troisième. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Tout va bien. De la nourriture. 10 de nourriture. Très bien. 19. J'ai toujours pas assez pour construire un deuxième générateur d'industrie. On continue. Porte suivante. Ok. Alors ici, je peux mettre un deuxième générateur d'industrie. Je vais le mettre tout de suite. Voilà. Ok. On avance. Pour l'instant, tout va bien. Je gagne beaucoup de brume. Alors, dans mes recherches, je pourrais faire le générateur d'industrie 2 avec 46. Donc, prochain générateur que je fais, ce sera un créateur de science qui va me permettre donc d'augmenter ma science plus vite. Très bien. Ok. Alors, il me faut 30. Oui, il me faut 30. Donc, au prochain... À la prochaine porte, je pourrai créer mon créateur de science. On y va, on avance. Pour l'instant, c'est de la ligne droite, c'est très bien. Alors, je n'ai plus de brume assez pour dire d'alimenter. C'est pas grave. Donc ici, créateur de science 1. Voilà. On continue à avancer. Et là, on recule. Très bien. J'ai deux bons DPS avec moi. Je ne crains rien. On avance. Très bien. On peut allumer la salle où on va se battre. Voilà. Parfait. On avance. Ok. Pour l'instant, tout va bien. Alors, 34, il me faut 46, donc encore 3 portes et je peux faire la recherche. Ok. J'aurais peut-être pas les 3 portes. C'est la sortie, ok. Alors, voilà, on allume ici, on peut avancer. On ouvre ici, et c'était la dernière porte. Malheureusement, je n'ai pas assez pour faire la recherche. Alors, camisole ajoutée. La camisole, mais oui, c'est toi qui vas la mettre. Ça donne quoi? 80 PV max, 9 de défense, 0,1 de délai et 1 de régénération. C'est très bien pour un corps à corps. Il va tanker. Ok, maintenant, eh bien, il faut aller chercher le cristal. Et c'est là qu'on va voir si tout va bien. Je vais augmenter le niveau. Voilà. Et c'est parti.
Alors on soigne. Faut tenir. Tout va bien ou pas? Là on va reculer un peu. Allez, allez, allez. Bon, ben voilà, hein, c'était une très mauvaise disposition de salle, en fait, hein, parce que j'ai pas su allumer, et que c'était une ligne droite. Donc, ok, tant pis, c'est pas grave, on fait une nouvelle partie, dans la foulée, on recommence, même disposition, mais d'autres personnages. Ok, alors on a un soigneur et un gros DPS à distance en plus, c'est parfait. Ok, on perd pas les bonnes habitudes. Générateur d'industrie en premier. Ensuite, on va aller à droite. Ce n'est pas un cul-de-sac. Très bien, il y a un coffre, ça c'est super. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a une savonnette de prison qui donne de la défense, et bien on va la donner au médecin. Et on continue. Voilà, c'est un cul-de-sac. Parfait. Et je n'ai pas encore assez pour dire de faire un deuxième générateur. Ok. On va aller à gauche. Voilà. Ce n'est pas un cul-de-sac. Et on a encore un objet. Qu'est-ce qu'on a? Coupe-papier. C'est une épée, c'est très bien. Mais ça va aller pour... alors, vitesse 3, puissance 12. Voilà. Pour mon médecin va devenir un peu meilleur au DPS. On avance. Ok. Voilà, très bien. Alors, 35. Oui, j'avais plus cassé déjà au tour précédent. Bah, à la porte précédente pour mettre un deuxième générateur. Tant pis, j'aurais perdu quelques ressources. On avance. Ok. On continue à avancer. Alors 32, j'aurai assez pour construire mon troisième générateur. Voilà. Parfait. Non, tout le monde là-haut. Pour l'instant, tout va bien. Et c'est un cul-de-sac, bien entendu. Avec la sortie, c'est très bien. Donc là, on va retourner à l'entrée, ou presque. On ouvre ici, en espérant avoir un peu de brume. Non, pas de brume en plus. Ok, alors ici, non, 35 pour le suivant. On avance. Alors, les recherches. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, on va faire le canon SP parce que franchement, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Et même le canon SP, c'est limite tant qu'on n'a pas beaucoup de science. Oh, j'ai d'ailleurs oublié de mettre... Bon, on va vite mettre créateur de science. Je veux aller trop vite, c'est ça mon problème. Ok, alors ça demande de la nourriture et ça donne des objets.
Donc 24 nourriture pour 60 PV max, 9 en défense, c'est très bien. Ou 4 en défense seulement pour la tenue de prisonnier, 12 nourriture. On a de la nourriture, on peut se permettre de la gâcher un peu. Y a peut-être rien d'autre d'intéressant. Puissance, défense. Et la puissance. Limite de la puissance, ce serait bien. Donc de la puissance pure. Ensuite, le gros, il peut. Il n'y a pas de souci. Il peut être lent. Voilà. Alors, on continue. Un cul-de-sac. Avec des ennemis. Alors, on recule. Et là, normalement, avec les objets qu'on a, ça devrait passer un peu mieux. Ok, alors, on vérifie ce qu'il y a en haut. C'était la dernière salle. La nourriture. Est-ce qu'il y a des ennemis? Il a l'air que non. Eh bien, soit ici, ce sera très simple, je pense. On prend le cristal et on se barre. Les ennemis sont assez loin, donc on peut reculer tranquillement. En plus, ils attaquent les modules. Que demande le peuple sinon de partir? Voilà, ils sont tous les deux arrivés dans l'ascenseur. On y va. Parfait. Alors, on descend. On peut poser un générateur d'industrie. Ensuite, on monte. On peut. Pour l'instant, je ne vais pas l'activer. Parce que j'ai besoin de garder mon industrie pour mettre des générateurs d'industrie. C'est bien ma veine. Donc, voilà. Régénération de santé. Très bien. Dans ces cas-là, eh bien, on va continuer, hein, par là. Parfait. Ok, on continue. Toujours parfait. On continue. Donc j'ai mes trois générateurs d'industrie. Maintenant on pourra passer au générateur de science et de nourriture. Alors, hop. Voilà. C'est très bien, une nouvelle recrue. Il me faut 35 pour le prochain générateur. Alors, hop, module Tesla pour 23, c'est très bien. On avance. Dans cette salle-là. Et donc là, on a un petit avantage, on a une porte vers laquelle on sait qu'il n'y aura pas de danger. Voilà, j'ai ouvert une porte, j'ai oublié de faire les constructions disponibles, hein. Je peux même peut-être en faire deux là. Donc, un science,
Ah, il me manque 3 pour faire un deuxième. Ok. Donc on continue. Là-haut, c'était un cul-de-sac. Ici, c'est un cul-de-sac. C'est très bien. Une tenue de prisonnier. Un peu de défense pour le médecin. Ça fera pas de mal. Il va même monter niveau 2. Voilà. Et on peut les mettre en bas. Non. Mon troisième ici, le petit, il va rester en haut pour défendre. Voilà, dès que j'ai de la brume, je la mets en haut. Alors, je peux mettre un réplicateur de nourriture. Très bien. Alors, le petit, il va se mettre là. Le gros, il vient ici. Et le médecin, il vient là. Alors, on va aller à gauche. Bien entendu, il y a des ennemis. Il y a des ennemis là aussi. Très bien, pour l'instant tout va bien. Parfait. Le petit retourne là. Ici, le médecin continue son chemin. Quoique le médecin, il va d'abord aller activer ici en espérant avoir de la brume. Mais maintenant, j'ai une bonne production. Activé. Très bien, 21 brumes. Donc ça me permet de faire un petit regroupement familial. Et donc en plus, je sais que, bien entendu, ça ne se trouve pas en haut pour l'ascenseur. Donc on va regarder vers le bas. Alors il y a une salle, c'est l'ascenseur, c'est très bien. Alors, on va dispatcher un peu les... Ok, alors, il y a du méchant. Et on va tous se regrouper. On allume la pièce, ça donne un petit avantage. Voilà, très bien. Attention le médecin. Parfait. Alors, avec 37... non, il me faut 45 pour le suivant. Il me reste au moins une, deux, trois portes. Je peux aller voir ce qu'on a en recherche. Ok, bon, il n'y a rien d'intéressant vraiment directement. Et de toute façon, je n'ai pas l'argent pour. Enfin, je n'ai pas la science pour. Donc, on continue. Et on va ouvrir cette porte. Très bien. De l'industrie en plus. Alors, le gros, on peut le monter niveau 2. Ça fait un petit moment qu'il en rêvait. Ok. Donc, il n'y a plus rien à gauche, il ne reste plus qu'à droite.
Ok, on va poser des... Ça devient dangereux, très dangereux. Et un mort, et un deuxième mort. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. J'ai l'impression qu'il y a eu un patch qui a augmenté la difficulté. Je ne sais pas pour vous. Mais bon, on va recommencer hein, une partie. Toujours en facile, toujours avec des personnages aléatoires. Et on est parti. Donc un corps à corps, un DPS, mais ça c'est plus un soutien. Ça, c'est déjà moins bon pour commencer. Mais peut-être que... Ok, on continue à gauche. Voilà, très bien. On continue en haut. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on pourra faire la mitrailleuse à 29. Ok. Parfait, on continue. Ah, j'ai pas assez de brume. Ça m'embête aussi, hein. Ouais, il a pas besoin de brume, mais il y a pas de générateur. Enfin, il y a pas d'emplacement pour un module majeur. Ok. On y va, on continue. Ah bah j'ai un emplacement là en fait. Suis-je bête? Ok. Non, on va pas avancer. On avance comme ça. Y a énormément de monde là. Un troisième générateur et on est parti pour la suite. Bon, déjà ils ne viendront plus de la droite, ils ne peuvent venir que de la gauche. Attends, toi tu viens ici derrière et toi tu vas à l'avant et tu ouvres. Ok, voilà, ça en fait un de plus, une salle de plus alimentée. Je n'ai pas d'autres plots pour alimenter. Enfin, pour construire plutôt. Parfait, c'est la sortie. On continue. Alors, il y a un coffre. Il y a des ennemis. Ok, un lance-pruneau, malheureusement, je n'ai personne qui peut l'utiliser. Enfin, il me semble en tout cas. Le lance-pruneau, c'est un pistolet et elle a une arme lourde. Ok.
Alors, toi, tu peux aller faire la recherche pour la mitrailleuse. Alors, et ici, on va pouvoir mettre un module laser en attendant. Parfait. On avance. Dernière salle. Il y a du monde. Allez, on est parti. Il y a énormément de monde. J'ai utilisé toute ma nourriture, je le sens bien. C'est bon. Ça passe. Voilà. Et voilà. Donc c'est tout. On peut désactiver ici. Ok, on active ici. Et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc ça veut dire, on prend le cristal et on fonce. Ici, on a un petit module laser qui va faire le taf. Voilà. On peut avancer. Ok, sortir. Tout de suite. On ne cherche pas à comprendre. Ok. Suivant. On va d'abord aller en bas. Parfait. On peut mettre un générateur d'industrie. On va aller à gauche. Et on va continuer après à gauche. On peut y mettre un générateur d'industrie. Parfait. Alors, on peut prendre en haut. Très bien. Et ah, zut, la pièce suivante a été activée. C'était pas voulu. Alors, on a un cristal qui nous dit nourriture à 46. On va essayer de le prendre assez vite. Mais pour l'instant, on peut pas faire grand chose. Ici, c'est un cul-de-sac, c'est très bien. Quand les cul-de-sac sont totalement alimentés, c'est parfait. On avance. Ok. Il y a des ennemis. Voilà, c'est bien. On n'a pas assez pour alimenter, c'est dommage. Et là, ok, on n'a toujours pas assez pour alimenter. Et c'est un cul-de-sac. Bon, j'ai assez pour au moins alimenter ça et donc mettre ici de la science. Ok, là ça va être un peu plus chaud. Donc, je vais laisser le DPS distance là et toi tu vas venir par là. Un cul-de-sac, très bien. Avec de la brume, parfait.
C'est compliqué. Je vais peut-être pas survivre. Voilà, si, c'est bon. Alors, ici, ils ont cassé. On le recrée. Ici, ils ont cassé. On le recrée. Ok. Donc, on revient là. On va mettre un module laser en plus. Donc là, c'est un cul-de-sac. Donc on va venir par en bas. Et ils vont tous venir au milieu ici parce que... c'est très compliqué, je ne comprends pas pourquoi. Certainement qu'il y a eu un patch pour augmenter la difficulté. Autant dire que là ils vont mourir. Voilà, j'ai plus rien pour soigner, ils meurent. J'aimerais vous montrer un peu les étages suivants, mais pour l'instant, ça veut pas. Revenir au menu, fermer, nouvelle partie, on recommence. Ok, alors, deux corps à corps, là ça va être un peu plus gênant. On y va. Toujours un peu d'industrie au début. Parfait. On peut continuer. J'ai pas assez de brume. D'accord. Alors ici, on n'en envoie qu'un seul. Il y a des ennemis. Ils reculent. Là, je peux mettre un deuxième générateur d'industrie. Parfait. On continue. Alors, à gauche ou en haut, je vais dire à gauche. Ok. C'est parti. Parfait. On continue à gauche. Un coffre. Gâchette fan. Oui. C'est un pistolet. Comme je n'ai aucun qui peut porter un pistolet, c'est un peu du gâchis. Vous comprenez? Du gâchis, la gâchette. Voilà. Alors, la science 2 est intéressant, mais le laser 3 aussi. Je pense que je vais plutôt partir sur le laser 3. Il me faut de la défense au maximum. Donc on continue. Il me manque énormément de brume. Et j'en ai toujours pas. Ok. Parfait. Voilà. Laser niveau 1 à 3. C'est très bien. Alors, on descend. Un peu de brume et en plus une salle auto-alimentée. Ok. Ici, on va mettre un générateur d'industrie. Et on continue. Ça descend encore. Alors, ici, de la science en plus. Parfait. Ici. Parfait, ainsi coup. Oh. Donc j'ai toujours au moins mon laser qui est actif, enfin qui est maintenant au niveau 3.
Alors, on peut continuer, on peut construire un créateur de science ici. Et là, c'est la sortie. Parfait. Alors, on peut ouvrir ici. C'est un cul-de-sac. Ah, il a failli mourir là. Ok. D'accord. Il y a eu du danger. Alors, on va monter ici. Il y a un peu de brume, mais pas assez pour dire d'activer une autre pièce. Ok, chargeur de rechange. Ça va être un peu plus intéressant. Alors, je vais vite aller taper le. Je voulais pas qu'il détruisait mon créateur de science. Ok. On continue. Ici, on peut monter. Alors, j'avais un objet. Puissance 5, astuce moins 1. Bon, c'est très bien. Et on continue. Ok. Parfait. On continue. Voilà. Et c'était la dernière pièce. Il reste une porte. Ok. C'était chaud. On n'a rien de plus. Oui. On peut aller voir les recherches. S'il y a quelque chose d'intéressant, je ne peux pas. Mine les morts. Oui, c'est. C'est bien la mine. Ok, et on ouvre. Parfait. Voilà. On n'a pas trop le choix. C'est du direct. On n'a pas assez pour tout alimenter. Donc ici, on va mettre un module laser et une mine. Ici, même chose. Et en théorie, ça devrait être suffisant. On va prendre le médecin. C'est celui qui a le moins de DPS. Et on y va. On va le monter de niveau, comme ça en plus on a de quoi soigner si jamais. Parfait. Allez, c'est bon. Bon, niveau 1, je gère.
étage nettoyé, très bien. Parfait. Ok, alors, étage numéro 2. On va essayer d'y aller doucement. Donc ici, générateur d'industrie. Ok, on va monter. Très bien. Il y a des ennemis, mais c'est pas grave, on les tuera. Ok. On va pouvoir mettre un deuxième générateur d'industrie. Et on avance. Alors, très bien, Hubbot niveau 2, mais il me manque de la nourriture, donc pour l'instant on ignore. On viendra le chercher plus tard. En plus, Hubbot, je ne l'ai pas encore, je pense, donc ce serait bien de le débloquer. Donc je rappelle, pour débloquer Hubbot, n'importe quel personnage que je n'ai pas encore, il faut que j'arrive à le tenir en vie pendant 3 étages complets. Donc cet étage-là ne compte pas étant donné qu'il était déjà là avant. Mais donc je dois arriver jusqu'à la fin de l'étage 5 en vie avec Hubbot pour le récupérer dans les personnages sélectionnables. Ok, donc ici je peux construire encore un générateur que je n'avais pas fait à la porte précédente. Et puis on va pouvoir en haut. Parfait. En bas. C'est très bien. Alors bien, on va faire de la nourriture hein, puisque pour récupérer Hubbot il m'en faudra. Et on avance. Parfait. Ah, petit lag. Alors, on va voir ici, niveau 3 à 4 pour 31, ce serait sympa. Et je vois rien d'autre d'intéressant pour l'instant. Peut-être que je me trompe. Alors, en haut, tout est fait, tout est alimenté, pas de souci. Je peux récupérer Hubbot. Non, il me manque 3, donc à la prochaine porte, on pourra récupérer Hubbot. Mais ça fait un autre corps à corps, je pense. Ça, c'est moins bien. Je préfère avoir une équipe équilibrée plutôt que comme ça, tous des identiques. Et j'ai oublié d'aller récupérer Hubbot, j'ai cliqué trop vite. Allez, hop, 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 hop. Voilà, donc là on va récupérer Hubbot vite fait. Ok, donc là on vient ici, tout le monde. Hubbot, oui c'est bien du corps à corps malheureusement. Ok, bon, ah mais il peut réparer. Ça c'est bien, c'est un soutien corps à corps. Ok. Je ne peux rien construire de plus pour l'instant. J'ai pas encore mes 31 pour mon... pour module laser 4. Non, c'est pas la dernière porte. Il me manque toujours un pour le module laser. Alors, qu'est-ce qui nous... Ah, de la nourriture. Donc ça, déjà, je peux vendre gâchette facile et 6 coups. Ensuite, ben, j'ai tataneuse ici, hein, qui peut être donnée au médecin. Et le reste, je ne peux pas. Bon, c'est pas grave, c'est déjà ça. Alors, je peux déjà mettre un module laser ici pour aider à défendre. On va mettre
Voilà, le médecin là, hop, botte là, et on continue. Alors, on recule, et on recule. Comment veux-tu défendre ce vestibule? C'est pas fini. Parfait. Alors, on continue. Tiens, je peux poser quelque chose ici. Et je vais mettre un créateur de science. Pendant ce temps, eh bien, hop, on peut prendre la recherche pour le module laser V4. Ok. Enfin, niveau 4 plutôt. Et ici, on ouvre une porte. Ok, c'est pas un cul-de-sac. Il y a de la nourriture. Et il faut reculer. Alors, on en profite. On met un peu à niveau tout le monde. Très bien. Parfait. Voilà. En plus, j'ai réussi à alimenter. Donc, on peut avancer. Donc, j'ai pas encore pris la nourriture. Ça ne saurait tarder. Voilà. On avance. Porte suivante. Un cul-de-sac, c'est très bien. Auto-alimenté, c'est très bien. Quelques ennemis, c'est moins bien. Alors, on recule. Il faut profiter du... des armes que j'ai posées. Parfait. Et il y en a encore. Il y a encore. Ok. Alors oui, il y a certainement eu un patch parce que il ne parlait jamais comme ça pendant les combats avant. Alors, on avance, on avance. On peut allumer ici. On avance. Voilà. Donc, comme c'est allumé ici, on peut ajouter un créateur de science. On a encore au minimum de ports, donc c'est relativement rentable. Voilà. Allez, hop, on recule. Très bien. On les laisse se rapprocher. Mon laser se fait plaisir. Très bien, très bien, très bien. Et c'est fini. Voilà. Donc nous n'avons toujours rien de plus. Le médecin va aller là. Hop, bot va aller là-bas. Et toi, tu vas ouvrir ça. Je vérifie quand même, on n'a toujours pas d'objet en plus. Et donc on ouvre. C'est pas la dernière porte en plus, parfait. Non. On reste bien sage derrière les défenses. On attend qu'ils arrivent tranquillement. Ok, parfait. On avance, tout le monde là. Parfait, alors, toi le ninja tu vas là, et toi le médecin tu vas là. Dernière porte,
c'est la sortie, forcément. Il n'y a pas d'ennemis qui arrivent. Et donc là, on désactive là-haut. Très bien, on peut activer jusque là et il me reste un ici. On peut désactiver là et activer là. Parfait. Il n'y a plus qu'à. Eh bien, c'est Hopbot qui va s'en charger parce que c'est le plus rapide. C'est parti. Jusque là tout va bien. Parfait. Tout le monde s'enfuit. Et c'est parfait. Ok. Voilà, on va arrêter là. Ouais, on va arrêter là pour cette session. On continuera donc dans la session prochaine. Merci d'avoir regardé. Je sauve et je quitte. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à vous abonner, à regarder d'autres vidéos de la chaîne. Et surtout, eh bien, portez-vous bien. Bye !